À partir du 1er juillet, la France présidera l'Union européenne, l'occasion sur KTO de s'interroger sur les rouages et le rôle de l'Église dans les rouages de l'Union, qui est née, il ne faut pas l'oublier, sous l'impulsion d'un chrétien, Robert Schuman, qui pourrait être béatifié. Aujourd'hui, l'Église fait régulièrement entendre sa voix sur l'échiquier européen, notamment à travers la COMECE, la Commission des épiscopats européens, qui a son bureau à Bruxelles. 24 évêques interviennent sur les grandes questions de société. Que disent-ils et surtout sont-ils écoutés? Bien sûr, les évêques ne sont pas les seuls chrétiens à apporter leur pierre à l'édifice de la construction européenne. C'est ce que nous allons voir dans ce KTO Magazine. Peut-on parler d'une marque chrétienne dans l'Europe d'aujourd'hui? Avec nous pour en parler, quatre invités. Stéphane Lundt, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général adjoint de la COMECE. C'est ça. Face à vous, on accueille Pierre de Charentenay. Bonjour, vous êtes père jésuite, rédacteur en chef de la revue Études et ancien directeur de l'OCIP, l'Office catholique d'information et d'initiative pour l'Europe. À vos côtés, Jean-Dominique Giuliani, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la fondation Robert Schuman, un laboratoire d'idées entièrement consacré à l'Europe. Enfin, nous accueillons le père Gabriel Nissim. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes membre du Centre dominicain Espace à Strasbourg. Père de Charentenay, en quoi est-ce important pour l'Europe d'avoir une voix chrétienne aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens en Europe, parce que l'Europe a une tradition chrétienne qui est très très longue, et que dans son développement économique, politique, il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas forcément très orientés du côté des traditions chrétiennes, et je pense que c'est capital que les chrétiens rappellent leur présence, donnent des indications sur des orientations, éventuellement signalent qu'ils ne sont pas d'accord avec tel ou tel point particulier qui sont proposés. Parce qu'en France, on a un peu parfois oublié les traditions chrétiennes de l'Europe. On a oublié. Il y a eu toute une polémique sur ce sujet à propos de la rédaction de la Constitution. Donc on sait bien ce qui s'est passé. Mais non, je crois qu'il y a une réalité de cette présence qui est là et qui s'exprime par le fait que de nombreux évêques se réunissent régulièrement dans la COMECE, qu'il y a des groupes religieux divers qui sont à Bruxelles, qui s'intéressent à ces affaires européennes et donc qui s'expriment. Jean-Dominique Giuliani, alors comment ces chrétiens qui s'y intéressent à ces affaires européennes s'expriment? Que font-ils? Écoutez, je crois que l'un des problèmes de l'Europe aussi, qui est un formidable succès quand même, on reparlera de Robert Schuman, j'imagine, tout à l'heure, c'est aujourd'hui quand même une quête de sens et souvent un problème d'identité qui va avec. On le voit sur toute une série de dossiers, spécialement parce que sur le plan économique, l'Union européenne est quand même devenue le premier pôle de puissance économique du monde. Et on voit bien que c'est insuffisant pour se définir, pour régler des problèmes moraux et spirituels complexes. Et donc la voix de l'Église est très respectée, très écoutée. Et c'est vrai, vous avez raison, en France, souvent, on néglige ou on minimise cet aspect des choses. Et je retrouve à Bruxelles, au contraire, une sorte de spontanéité, de naturel dans ces échanges. Chacun dans son rôle, les institutions, les hommes politiques d'un côté, et puis sur le plan moral et spirituel, quand même quelques références qu'il convient de rappeler, d'approfondir ou de promouvoir. Stéphane Lundt, le président du Parlement européen est chrétien. Oui. Il est, paraît-il, même un proche de Benoît XVI. Est-ce que ça influence la manière, le fonctionnement de ce Parlement? Bon, d'abord, il a un rôle de présider ce Parlement. Il est encadré par le règlement du Parlement. Donc, à premier égard, ça ne change pas la fonction du président du Parlement. C'est qu'on rencontre aujourd'hui, en la personne de Hans-Gerd Pöttering, une personnalité très ouverte à des échanges avec les chrétiens, mais aussi avec des représentants d'autres religions.
C'est lui, il faut le dire, aujourd'hui, le moteur de l'année 2008 du dialogue interculturel. C'est lui qui insiste à ce que des réunions de haut niveau se fassent avec la participation du Parlement européen. Donc je crois, on pourrait citer une multitude de rencontres durant son mandat jusqu'à maintenant, mais j'évoquerai simplement une seule, lors de la présidence allemande du Conseil de l'Union européenne. C'est lui qui a accueilli chez lui le frère Alois de Thésée, aussi un Allemand, peut-être l'Allemand vivant à l'étranger le plus connu dans le monde chrétien, à part après le pape, bien entendu. Et donc, il a donc accueilli le frère Alois de Thésée, et j'ai pu assister à cette rencontre. C'était un moment extraordinaire, car les frères de Thésée insistent beaucoup à établir un pont de connaissance réciproque entre un lieu spirituel comme celui de Thésée et un lieu institutionnel comme celui de Bruxelles. Et je crois que ça, c'est un sentiment qui est tout à fait partagé par le président Pöttering. Tiens, est-ce que les députés européens chrétiens sont entendus? Est-ce que peut-être que leurs convictions influencent aussi leur prise de position? Je pense d'abord qu'ils ne sont pas étiquetés comme tels, ils ne se promènent pas avec, avec un costume particulier. Donc ils sont, comme d'ailleurs c'est le système français, pour les auditeurs français, ils savent bien que les députés chrétiens parlent selon leurs propres convictions sur des dossiers particuliers, mais qu'ils ne forment pas non plus de forme de groupe politique chrétien en France, alors qu'il y a peut-être des groupes qui sont davantage chrétiens au Parlement européen, mais pas non plus directement étiquetés. Donc il ne faut pas attendre une espèce de lobbying communautaire. Hein. Les chrétiens qui sont présents travaillent pour tout le monde avec leurs propres convictions. Mais je pense que c'est ça qu'on attend d'eux. Il y a une marque chrétienne à Strasbourg, par exemple. À Strasbourg, oui. Alors, qu'est-ce que vous appelez Strasbourg ? Strasbourg, il y a deux institutions importantes. Vous avez le Parlement européen, qui a son siège là, et puis vous avez le Conseil de l'Europe. Peut-être rappeler que le Conseil de l'Europe aussi est important. Le Conseil de l'Europe, c'est 47 pays, pas 27, y compris la Turquie et la Russie. Et au sein du Conseil de l'Europe, vous avez la présence d'un observateur permanent du Saint-Siège, observateur avec la capacité d'envoyer des représentants dans tous les groupes de travail du Conseil de l'Europe. Je rappelle que le Conseil de l'Europe, c'est centré sur les droits de l'homme, la démocratie, l'état de droit dans toute l'Europe. Et c'est un gros travail à accomplir. Et à côté du représentant du Saint-Siège, vous avez de nombreuses associations qui travaillent là. Vous avez Caritas, vous avez l'enseignement catholique, vous avez les femmes catholiques, vous avez l'association que moi je représente au Conseil de l'Europe, à savoir l'Association catholique mondiale pour la communication, une association de médias catholiques. Et avec 400 autres ONG de tous les bords, alors pour le coup, eh bien, nous participons réellement au travail d'élaboration d'une politique européenne en matière des droits de l'homme et de démocratie. Mais il y a beaucoup d'acteurs, d'interlocuteurs chrétiens, alors. Il y a beaucoup d'interlocuteurs chrétiens et, je dois dire, très bien reçus. Comme le disait Pierre de Charentenay à l'instant, on voit bien que nous sommes là pour travailler au service de l'ensemble de des gens en Europe, au service des droits de l'homme, au service du respect de la dignité des personnes. C'est vraiment ça le but, c'est le but du Conseil de l'Europe, et je pense que c'est vraiment tout à fait au centre de nos préoccupations chrétiennes. Stéphane Lundt, il y a également deux organisations qui regroupent les évêques, j'ai envie de dire. Oui, hein. Tout à fait. Il y a la COMECE et puis le CCEE. Pourquoi ces deux instances ? C'est un fait de l'histoire, tout d'abord. Hein. C'est un fait de l'histoire parce que le CCE est issu quasiment directement du Concile, d'une volonté de faire collaborer plus étroitement les évêques entre eux. Et la COMECE est née en 1980, presque au même moment que les premières élections du Parlement européen, pour être plus présent dans ce processus de la construction européenne au sein de l'Union européenne. Il faut bien le préciser, le Père Nissim l'a souligné, il y a donc deux grandes institutions, on pourrait en ajouter encore une troisième, l'OSCE, mais il faut bien distinguer le Conseil de l'Europe et l'OSCE, ce sont plutôt des organisations internationales type traditionnelles.
l'Union européenne a une autre force législative, une autre force d'intégration qui a nécessité qu'il y ait une collaboration, une coopération des épiscopats, des conférences épiscopales plus étroitement sur ces thèmes-là. Mmh. Hein, donc ça c'est aujourd'hui la mission de la COMECE, la commission des épiscopats, d'écouter ce qui se fait, d'observer ce qui se fait à Bruxelles et à Strasbourg dans le cadre de l'Union européenne, et puis de temps en temps de prendre l'initiative d'amender, de parler sur l'un ou l'autre point. Voilà le travail de l'Union européenne, de la COMECE au sein de l'Union européenne. Le CCE est plus porté. Il réunit les présidents des conférences épiscopales, mais il est plus porté sur des questions d'ordre pastoral. Il y a 24 évêques au sein de la COMECE, pourquoi pas 27? Ça, c'est le fait consolant de, que la géographie de l'Église est différente que la géographie de la politique, et ça nous montre que la politique ne domine pas tout. Donc, nous avons deux conférences épiscopales dans ce qui est le Royaume-Uni, pour être exact, trois même. Donc il y a une conférence épiscopale pour les Anglais et le Pays de Galles, et une autre pour l'Écosse. L'identité écossaise est aussi marquée par le fait qu'il y a une conférence épiscopale catholique en Écosse, donc il ne faut pas toucher à ça. Et les évêques de l'Irlande du Nord font partie de la conférence épiscopale de l'Irlande, signe que cette île est une entité. Ouais, donc, et vous avez, je continue l'énumération, vous avez pas tellement de catholiques dans les pays nordiques, donc au Danemark, en Finlande, en Suède. Donc ça fait qu'il y a une seule conférence épiscopale dans ce pays-là. Vous n'avez pas de conférence épiscopale en Chypre, pas en Estonie. Donc tout ça fait qu'il y a 24 représentants de conférences épiscopales, ou disons plutôt 23, plus un seul, l'archevêque de Luxembourg, qui lui est tout seul, donc il ne peut pas former une conférence, mais il est aussi membre de la commission. D'accord, ça va, alors il n'y a pas de voilà, soucis. Donc oui, c'est une question qui est logique. Alors on va justement voir quels sont les grands thèmes au cœur des préoccupations de l'Église concernant l'Europe. Reportage. En Europe, l'Église du troisième millénaire doit faire face à de multiples défis. Le défi principal, c'est la montée du sécularisme, dont les effets immédiats sont la diminution des mariages, la perte des valeurs familiales, la baisse du taux de natalité. Incertitude face à l'avenir, crise d'identité religieuse, en Europe, les catholiques cherchent à renverser cette tendance. Dans certains pays, comme la Lituanie, les catholiques et les orthodoxes luttent ensemble sur le plan législatif, notamment. Ils cherchent à défendre des valeurs chrétiennes comme la famille, le mariage, et ils ont déjà remporté quelques succès. L'autre grand problème, c'est celui de l'immigration. Pour l'Église, le phénomène ne peut se résumer à sa problématique économique. Les clandestins sont d'abord des êtres humains. Ici, ils viennent d'abord pour des critères économiques. Ils doivent être respectés en tant que tels, aussi bien eux que leur famille. Par conséquent, ils ne peuvent être jugés seulement selon des critères comptables. Cette approche trop répandue aujourd'hui est une approche cynique qui ne respecte pas la dignité des hommes. Un autre enjeu essentiel pour l'Église en Europe, c'est le dialogue avec les musulmans. Là aussi, l'Église évolue, beaucoup de fidèles le démontrent. Dialoguer ne signifie pas pour autant perdre son identité. Nous devons affirmer nos convictions et notre identité. Un récent sondage montre que les fidèles qui mettent sincèrement leur foi dans leur pratique, mais aussi dans leur vie au quotidien, sont plus tolérants que la moyenne. Quei fedeli sono molto più tolleranti della media nella società. Donc ceux qui ont une identité claire et sincère respectent plus naturellement les autres. Les statistiques nous le prouvent. L'Église en Europe continue à faire face à de nombreux problèmes posés par la montée du sécularisme. Mais comme toujours, c'est dans ces défis qu'elle trouve les signes du renouveau. Stéphane Lundt, comment les évêques mettent en avant ces idées-là auprès des dirigeants européens ? C'est un travail de fourmi, souvent. D'abord, il faut, avant de se prononcer, il faut connaître son sujet. C'est partout la même chose. Il y a des dossiers. Des dossiers à suivre. Il y a
des compétences. Hein, on a parlé du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne, le niveau national. Donc il faut d'abord distinguer qu'est-ce qui concerne vraiment le niveau européen. Donc si vous parlez de la situation de la famille, qui était évoquée tout à l'heure par le cardinal R2, il faut savoir que dans le domaine matrimonial, définir qu'est-ce qu'est un mariage, les questions d'adoption, les questions de filiation, l'Union européenne n'intervient pas. Mais indirectement, dans sa législation sur le domaine de la fiscalité, la TVA par exemple, sur le domaine du temps de travail, quand vous avez la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, vous avez là aussi des compétences européennes. Et donc, notre travail, si je peux l'appeler comme ça, consiste à identifier ces dimensions-là. Et ça nous a amené, par exemple, à publier en février dernier une publication, une brochure dans laquelle nous proposons à l'Union européenne d'adopter une stratégie européenne pour la promotion du mariage et de la famille. Est-ce que vous intervenez auprès des dirigeants eux-mêmes de temps en temps? Vous allez les voir en leur disant « bon, ben voilà, là on aimerait insister sur tel point, mettre en avant... » Une fois une telle... brochure existe, une telle proposition existe, on va évidemment soit rencontrer directement les interlocuteurs politiques, donc d'abord toujours la Commission européenne, parce que c'est de la Commission européenne que part toute initiative, presque toute initiative, il ne faut pas négliger l'importance de cette institution, et puis aussi avec les parlementaires, et ensuite aussi avec les représentants des États membres qui sont dans le Conseil des ministres. C'est facile de les voir? Ah oui. Ah oui. Ils sont accessibles. Ils sont accessibles. Et je trouvais très bien votre remarque, M. Giuliani, tout à l'heure, de dire qu'il y a une autre spontanéité dans les rencontres. Donc, on appelle, on demande un rendez-vous, et soit on a le rendez-vous avec un collaborateur, soit avec l'ambassadeur, le député lui-même, pour lui expliquer tel ou tel point. Oui, sur ce point, je dirais que c'est tout à fait différent de l'ambiance en France. Si l'Église demande des rendez-vous à l'administration, facilement, elle sera renvoyée en disant de quoi vous mêlez-vous. Alors qu'au contraire, plus. À Bruxelles, on a vraiment le sentiment d'une collaboration possible et au contraire d'un intérêt pour ce que les Églises disent, comme d'autres associations d'ailleurs. Mais il y a une facilité beaucoup plus grande de communication. Alors, vous avez travaillé, vous, Pierre de Champenay, à l'OCIP, l'Office catholique d'information et d'initiative pour l'Europe. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un organe aussi qui agit auprès de ces instances? Oui, c'est une association qui a été dirigée par les jésuites depuis le début, qui a été fondée à Strasbourg en 1957, donc c'est assez ancien, qui a eu des périodes plus importantes à certaines époques. La Comécé, arrivée en 1980, a pris plus d'importance en raison de son leadership appuyé par l'ensemble des évêques. Donc l'OCIP reste une association un peu de service qui traite ses propres dossiers et puis qui a son travail aussi de répercussion vers les églises ou vers la Compagnie de Jésus en général pour qu'il y ait une animation. Ça fait partie de ces associations qui essaient d'animer l'opinion pour qu'elle soit davantage présente à la question européenne. Donc par exemple, pour le référendum français, nous avons été quand même assez actifs. Ça n'a pas vraiment servi puisque la France malgré tout a dit non. Mais on a été quand même très actif pour une espèce d'éducation de fond à la France, par exemple par des conférences, par des articles, par quantité de contacts personnels vis-à-vis de l'Église ou vis-à-vis des chrétiens à travers la France. Moi, je ne sais pas combien de conférences j'ai fait en France sur ce sujet. Donc c'est l'animation de l'opinion, c'est aussi très important, c'est un retour. C'est capital d'être près des lieux de décision, c'est aussi capital d'être près de l'opinion. Bernissime, quel est le poids de l'Église, ou peut-être même des Églises, au sein de ces instances de l'Union européenne? Est-ce qu'elles sont écoutées? Moi, ça me frappe. Hein. D'abord, qu'est-ce que vous appelez les Églises? Parce que les dirigeants, vous posiez la question tout à l'heure à propos de Hans-Gert Pöttering. Il est président du Parlement européen, et tout le monde sait ses convictions catholiques. Si vous prenez les derniers présidents de la Commission... Alors, M. Barroso est venu au Rassemblement œcuménique de Sibiu au mois de septembre dernier. Avant lui, Romano Prodi ne cachait pas ses convictions catholiques. Il était aussi, voilà, bon. Avant ça, Jacques Santer, pareil. Et je ne parle pas de Jacques Delors. Pour vous, ce n'est pas anodin qu'il y ait des présidents catholiques. Ce n'est pas un hasard, en tout cas.
Donc quand on nous dit aujourd'hui, ah non, les catholiques ne sont pas écoutés, etc., moi je dis, écoutez, excusez-moi, mais il y a des catholiques à tous les postes de responsabilité. Mais c'est quand je prends au Conseil de l'Europe, le directeur général des droits de l'homme, le président de la Cour ne cachent pas leurs convictions. Oui, donc je veux dire... Donc l'Église est un partenaire dans la construction européenne. Alors, les chrétiens... Ah, voilà. Les chrétiens. Et puis, il y a des relations institutionnelles. Alors, par exemple, à chaque présidence de l'Union européenne, il y a une rencontre officielle entre le pays qui prend la présidence et puis, par exemple, la Comissée, avec éventuellement les instances protestantes correspondantes. Bon, hein, toujours. Toujours des marchés œcuméniques. Toujours des marchés œcuméniques. Donc, voilà. Au Conseil de l'Europe, il n'y a aucun problème pour avoir... Non, il y a vraiment aujourd'hui une présence à la fois institutionnelle, personnelle, et puis les organisations. Et je crois que ce qu'on disait à l'instant, ce que disait Pierre de Charentais sur le travail de fond auprès des citoyens, me semble peut-être le plus important. Mmh. Il faut avoir ce travail-là, mais d'abord... Alors, il y a un autre élément encore, hein. Vous dites les dirigeants européens, mais c'est qui les dirigeants européens? Alors la Commission a un rôle très important, c'est l'initiative, comme disait Stefan Lund. Mais ceux qui prennent les décisions finalement, ce sont les ministres, ce sont les chefs d'État et de gouvernement. Donc chaque fois que dans chacun de nos pays, comme votre fondation, on agit auprès des hommes politiques du pays, c'est un travail qui va directement auprès des instances européennes, puisqu'ils décident aussi au plan européen. Stéphane Lunte, sur quelle question la Comissée s'est-elle prononcée récemment? Tout au début de l'année, le président de la Comissée a envoyé une lettre au commissaire européen compétent et surtout au ministre des affaires de justice et intérieure de la Slovénie, parce que c'était en ce moment-là la Slovénie qui prenait la présidence, pour attirer l'attention sur la situation des réfugiés de l'Irak dans des pays comme la Syrie, la Jordanie et la Turquie, en demandant si l'Union européenne ne devait pas plus se préoccuper du sort de ces réfugiés. Ça a été abordé, discuté, lors d'une plénière, une assemblée plénière de la Commission en novembre. Donc l'Union européenne ne devait pas plus se préoccuper du sort de ces réfugiés, qui sont souvent des chrétiens et qui n'ont aucune possibilité de retour dans leur pays d'origine. Il ne s'agit pas de se désolidariser des communautés chrétiennes, et Pierre de Charentonnet pourrait en parler plus que moi, des communautés chrétiennes en Irak, mais ceux qui ont quitté le pays et qui savent, dont on sait que jamais ils pourront retourner, alors on ne peut pas les laisser dans leur sort, donc qu'ils ont actuellement dans ce pays et dans ce pays comme la Syrie, et il faut leur proposer quelque chose en Europe. Et la Commission a eu un écho là-dessus ? Nous sommes très contents que début juin, dans le Conseil des ministres, le ministre allemand, Schäuble, a repris ce sujet, a soumis un non-paper pour discuter de cette question. Et malgré un accueil plutôt réservé des autres, de quelques autres pays membres, nous savons que la Commission européenne, qui aujourd'hui, dans ce dossier, est représentée par Jacques Barrot, la présidence française sont tout à fait favorables à examiner cette question de plus près. Donc je crois que c'est un exemple concret où le travail de la Commission peut avoir un impact, mais elle le fait toujours ensemble avec d'autres instances, soit avec l'espace, soit avec OSCIP, mais en ce cas-là, c'était avec l'instance Missio, c'est une œuvre de l'Église catholique en Allemagne. Jean-Dominique Giuliani, quels sont les autres chevaux de bataille des chrétiens en général sur les questions européennes? Écoutez, moi, je n'ai aucun problème pour reconnaître que l'idée même d'unification de l'Europe est une idée chrétienne. Robert Schuman l'a écrit dans le seul livre qu'il a publié pour l'Europe. Je le cite de mémoire, donc pardonnez-moi, mais il dit « l'idée même de tendre la main aux ennemis d'hier, 5 ans après la guerre, c'est le plus bel exemple de la fraternité. » Et concrètement, par exemple, sur l'adhésion de la Turquie, dont on a tant parlé ces dernières années. Ne confondons pas tout. Il y a beaucoup d'autres problèmes encore plus urgents. On pourrait parler de l'immigration, par exemple, oui. Sur lesquels on aurait bien besoin
introduire un peu de ce sens de la fraternité, en tout cas c'est mon opinion personnelle, dans la manière de gérer ces dossiers qui ne sont pas que des questions techniques et quantitatives. Donc il ne faut pas s'étonner que les principaux responsables, à un moment ou à un autre, soient des chrétiens engagés, parce qu'ils se coulent complètement dans ces institutions qui nécessitent à la fois beaucoup de savoir-faire, mais aussi beaucoup d'abnégation, d'élévation d'esprit, et à la fois un énorme travail technique, et l'ensemble va de pair. Donc, personnellement, je m'y sens tout à fait à l'aise, pour ne rien vous cacher. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut en faire un étendard, voilà, notamment à l'égard de ceux qui seraient à nos frontières, qui ne partageraient pas nos convictions, ou les autres églises, ou les autres religions. Voilà. Et je crois que c'est comme ça que fonctionne l'Europe. Elle est étonnamment ouverte, et pas seulement dans ses frontières, dans son esprit. Elle mériterait de l'être encore davantage. Pierre de Charentenay, alors, quels sont les problèmes, les questions épineuses que la construction européenne peut poser et qui seraient contraires à la pensée de l'Église ? Sont-ce des sujets concrets qui... Qui seraient contraires à la pensée de l'Église. C'est plutôt, je trouve, des politiques générales qui peuvent être, que l'on trouve, qui ne sont pas, qui ne correspondent pas à ce qu'on peut attendre de respect de la dignité humaine, etc. On a cité la question des réfugiés d'Irak, on a cité la question de l'immigration. C'est vrai qu'en prenant des mesures particulièrement sévères contre les immigrés, ou certaines manières de les détenir dans des centres de détention, est inacceptable. Donc ça c'est directement ça contraire. Et elle le dit de manière très forte. Dans le projet de loi sur le retour, l'Église a été extrêmement expressive sur ce qu'elle demandait, quitte à être très précise sur ce qu'elle ne veut pas. Donc là, il y a des points qui dépassent un peu ce que l'Église souhaite. Évidemment, quand il s'agit simplement du taux de cacao dans le chocolat, c'est pas tellement son sujet. Ouais. Ben, il y a des sujets qui sont plus importants, et où la personne humaine est directement en jeu. Donc là, elle intervient. Stéphane. Mais on voit bien qu'il y a des sujets où il faut qu'elle intervienne. Oui. Stéphane Lund, est-ce qu'il y a des pays avec lesquels le dialogue est plus facile ou plus fluide ? Des pays ? Des États, des dirigeants qui sont plus favorables ? Non, mais déjà, les commissaires ne connaissent plus de pays. Dès qu'ils ont, ils ont pris leur fonction, ils sont européens. C'est important. Mais ceci dit, c'est quand même une réalité. Non, mais le Pernissime a tout à l'heure abordé l'exemple des rencontres qui se font systématiquement avec les présidences, au début et à la fin, de la part des églises. Donc, à la fois la KEC, qui réunit les chrétiens, les églises chrétiennes, protestants et orthodoxes, il ne faut pas les oublier. Donc les deux grandes familles chrétiennes, tradition chrétienne qui sont des protestants et orthodoxes, et la COMECE, et il y a une rencontre avec la présidence. Et je ne dirais pas qu'il y a un fin de non-recevoir, mais il y a toujours des degrés d'accueil différents, où ça a aussi lié à la tradition qui existe à ce niveau-là, alors que en Allemagne, vous avez une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères ou avec Madame Merkel elle-même. Au Luxembourg, vous avez aussi la rencontre avec le Premier ministre. Dans d'autres pays, ça va pas la même chose. Et on se partage aussi un peu sagement le travail qui prend le contact. Donc, même si la France est un pays laïque, comme le sait, il y a le contact part de l'Église catholique en ce cas-là, alors que dans d'autres pays, c'est plutôt les orthodoxes ou les protestants qui prennent le contact pour dire « voilà, nous avons cette tradition des rencontres œcuméniques avec la présidence et ça, parfois, ça donne lieu même à des rencontres œcuméniques qui ne se font plus, ou font pas tellement dans le cadre national, et l'Europe aide à faire progresser l'œcuménisme dans des pays. Donc, je ne peux pas citer un pays où il y a... Il n'y a pas de dirigeants plus... Attendons jusqu'en 2017, quand la Malte a fini sa présidence. Donc on aura vu tous les autres pays aussi se succéder à la présidence de l'Européenne et on discutera à nouveau. Même pour l'instant, non, je ne peux pas le dire.
Père Nissim, le dialogue interreligieux, est-ce qu'il se noue aussi sur des questions européennes? Il faut. Les instances européennes disent, en particulier le Conseil de l'Europe, disent « Nous, on ne veut pas intervenir dans le dialogue interreligieux en tant que tel. » Au plan théologique, ce n'est pas notre affaire. En revanche, ce qu'on attend de vous, c'est effectivement qu'il y ait un dialogue entre vous sur les problèmes de la société et que les religions, à ce moment-là, prennent vraiment leur place et leur parole et que les convictions, les religions et les convictions en général. S'il n'y a pas, si vous voulez, aujourd'hui, des convictions profondes qui guident les prises de position politique, alors c'est de la politique à la petite semaine. Et ça n'avance pas. Et c'est ça qui fait que les gens n'ont plus d'espérance. Ils ne voient pas où ça va. Tout à l'heure, vous disiez l'économie qui n'est pas suffisante. Il faut qu'il y ait du sens, M. Giuliani. Et je pense que c'est vraiment ce qui manque à l'heure actuelle, parce que précisément, on ne fait pas assez appel aux opinions publiques dans leurs convictions, y compris les convictions religieuses. Alors, on va s'intéresser maintenant à l'un des pères de l'Europe, Robert Schuman, qui est en voie de béatification. Cet homme d'État français est mort en 1963. On lui doit notamment la Communauté européenne du charbon et de l'acier, l'ancêtre de l'Union européenne. Pour Robert Schuman, la paix passait par l'Europe. Son portrait en image. Peu de gens savent que l'un des fondateurs de l'Union européenne pourrait un jour être déclaré saint. Après la Seconde Guerre mondiale, Robert Schuman avait présenté sa proposition de créer un organisme européen indispensable pour le maintien des relations pacifiques entre l'Allemagne et la France. Il s'est dit, si nous voulons la paix en Europe, eh bien, il faut commencer par réconcilier des nations qui ont mené la guerre entre elles. Il faut que ces deux nations se réconcilient et à partir de là, nous pouvons construire l'Europe. Robert Schuman a fait de la politique malgré lui. Il était avocat de métier. Ce sont ses amis qui lui ont demandé d'entrer en politique en 1919. Il a d'abord commencé au niveau local. Et par la suite, et d'autres fonctions ministérielles, quand il a été sous-secrétaire d'État aux réfugiés en 1940, quand il est rentré comme ministre des Finances, comme président du Conseil, tout ça, c'était toujours sur des propositions et jamais de son propre. Il n'a jamais demandé quoi que ce soit au niveau politique. Schuman a été le premier président du Parlement européen, qu'il a nommé à la fin de son mandat « Père de l'Europe ». Homme de réconciliation, il ne cachait pas sa foi chrétienne, une foi qui marquait son engagement politique. Robert Schuman a vécu la politique, eh bien, c'est une manière évangélique, c'est-à-dire qu'il a toujours été guidé par le sens du service, par le sens du bien commun. Cet homme politique deviendra-t-il le patron des politiciens ? La cause de Robert Schuman est déjà au Vatican. Pour le père Jost, une chose est sûre, Robert Schuman est un saint homme, mais avant d'être déclaré bienheureux, il doit accomplir un miracle. Alors, Jean-Dominique Giuliani, il y a un miracle qui a été attesté. On en est où dans ce procès en béatification? Monseigneur Paul Poupard, dans une de ses conférences à Notre-Dame de Noël, a dit « Oui, il a accompli un miracle, il a réunifié l'Europe ». Donc, un immense respect pour Mgr Poupard, et je ne suis pas loin de penser la même chose. C'est un acte qui marque une rupture historique à l'échelle du monde. Car, pour bien que les téléspectateurs comprennent, essayons de nous rappeler où nous en étions en 1950. C'est-à-dire 5 ans après l'arrêt des combats, 40 millions de morts, deuxième guerre mondiale du siècle. Il n'y avait aucune raison de ne pas recommencer, comme nous l'avions fait avec un traité de Versailles, etc. Et là, l'idée de rupture dans cette Europe ruinée, qui avait besoin de se reconstruire, c'est de s'extraire des problèmes quotidiens. En l'occurrence, c'était les quotas de production de charbon et d'acier que nous comptions goutte à goutte à l'Allemagne, parce qu'on avait peur qu'avec ça, elle refasse des canons. Moyennant quoi, c'est la population qui souffrait. Et on menaçait même la France de réoccuper une partie de la Roure. Donc nous étions repartis pour la gloire, comme d'habitude. Et dans cette 4e République, assez confuse sur le plan politique, pour y retrouver ses marques, Robert Schuman, je passe sur les détails, mais s'investit
complètement sur une idée de Jean Monnet, d'ailleurs, et pour la porter et l'assumer politiquement, donc les deux ont méritent une égale reconnaissance, hein, parce que celui qui expose sa poitrine en politique aussi joue sa carrière, et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, pour dire, voilà, plutôt que de nous disputer, créons des mécanismes où nous soyons obligés de discuter toujours. Et donc préférons la table et la négociation, fût-elle très difficile, nocturne, etc., plutôt que la dispute. C'est-à-dire le contraire de ce que Napoléon nous avait enseigné. J'ai un différend avec mes voisins, je prends mon cheval, je me mets à la tête de mes armées et je règle le problème. Et donc, il n'y a pas de précédent historique dans le monde, vous pouvez vérifier, d'unifier de manière pacifique un continent. Et dès l'origine, dans la déclaration du 9 mai 1950, parce qu'à ce moment-là, Robert Schuman est ministre des Affaires étrangères, et il fait sa déclaration au Quai d'Orsay, dans le Salon de l'Horloge, au nom du gouvernement français, dans la déclaration de Robert Schuman, il y a déjà la vision de l'Europe. Et sa dernière phrase, c'est... après avoir expliqué qu'il faut créer des intérêts communs, économiques, matériels, pour amener les hommes à la raison et les élever, il termine en disant « c'est comme ça que nous aurons une fédération européenne ». Alors vous voyez, ce n'est pas confédération, etc. Une fédération européenne, c'est quand même un espace politique où il ne soit plus possible de s'affronter physiquement. Et je crois que c'est vraiment quelque chose d'unique. Pierre de Charentenay, l'Église s'est tout de suite associée à ce projet européen ? L'Église s'est pas tout de suite associée à ce projet européen parce que c'était une affaire de politique entre des pays. On n'allait pas tout de suite jeter de l'eau bénite sur le charbon et sur l'acier parce que c'était quand même une affaire industrielle. Au fond, elle s'y est intéressée relativement. Mais d'un point de vue symbolique, c'est très fort. Oui, mais ça n'est pas paru très fort symboliquement tout de suite. Ce n'est qu'après quelques années. L'Église était très intéressée, hein ? Mais sachant qu'il y avait déjà en juin 1950 une déclaration des évêques et de la conférence des archevêques et cardinaux qui encourage l'effort supranational qui était demandé en mai. Donc les évêques français, de leur côté, en tout cas, ils avaient un sens... Ils ont senti le vent venir. Un sens historique, le sens historique de cette entreprise. C'est-à-dire, de manière institutionnelle, l'Église était à l'époque beaucoup plus intéressée à sa présence dans des grands organismes comme le Conseil de l'Europe, l'OSCE, l'ONU, parce qu'il y avait une place institutionnelle directe. Son rapport à une institution qui était en train de croître progressivement, c'est évident que ça a mis un certain temps avant de s'y intéresser de manière institutionnelle, même si certains épiscopats ont approuvé le geste, certainement. Pernissime, on est en Europe, ça correspond complètement à ce que défend l'Église. Enfin, c'est quelque chose de... C'est l'essence même d'un projet d'Église, non ? Le projet de réconciliation et de paix, tel que M. Giuliani l'a évoqué à travers Robert Schuman, est directement dans la préoccupation de l'Évangile et donc de l'Église. Aujourd'hui, une solidarité et, je dirais, justement, cette idée de, enfin, ne pas résoudre les questions par la violence, mais les résoudre toujours dans le respect du droit et de l'autre. Ça, c'est fondamental. Les droits de l'homme, le respect de la dignité de chaque être humain, vraiment se dire que chaque être humain est mon frère, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne et quoi qu'il ait fait, ceci est fondamental dans la pensée de l'Église. Donc, c'est quelque chose... Ce qui est curieux, c'est que, je dirais... Aujourd'hui, j'entends un certain nombre de critiques de la part de responsables d'Église sur l'Europe en oubliant complètement tous les aspects positifs. On peut être chrétien et anti-européen. Écoutez, je crains qu'il y en ait, oui, donc je les respecte. mais pour moi, c'est assez difficile, parce que, comme le Pernissime le dit très bien, il y a communauté d'analyse. En tout cas, et de conviction. Mais moi, je trouve que pour aujourd'hui et pour l'avenir, cette notion fondamentale personne humaine, de dignité de la personne humaine, de respect de la personne humaine, c'est vraiment la valeur essentielle de l'Europe.
Elle est autour du Conseil de l'Europe et de ses 200 conventions écrites sur le travail des enfants, sur les questions éthiques, sur la protection de la vie privée, le travail forcé, etc. Vous n'imaginez pas la diversité de ces textes juridiques qui ont été en quelque sorte le premier pas vers l'Union européenne, qui, elle, a continué à légiférer dans ce sens. Cette valeur fondamentale me semble être plus actuelle que jamais, me semble être vraiment le point dur des convictions européennes et coller totalement à l'enseignement des évangiles, en tout cas tel qu'on me l'a appris et tel que je le partage. C'est-à-dire, c'est vraiment le côté imprescriptible de la dignité de la personne humaine, et Dieu sait, quand on observe le monde aujourd'hui, combien cette notion peut être menacée dans des croissances folles qu'on peut voir ici ou là, ou des convictions collectives. Elle l'a été notamment, on le voit avec nos nouveaux partenaires d'Europe centrale et orientale, combien la négation de cette conviction fondamentale a causé de dégâts sur le plan familial, parler de la démographie, sur le plan politique, sur le plan des libertés et sur le plan tout simplement le plus humain qu'il soit. Pierre de Charentais, qu'on dit un petit peu les papes sur cette construction européenne au fil du temps. Oh, notamment Pie XII, par exemple, a certainement été favorable, et il l'a dit à plusieurs reprises. Il a parlé de manière très explicite sur l'Europe, pas en termes institutionnels directs, parce qu'évidemment, il a appuyé sans aucune difficulté, et jusqu'à Jean-Paul II, qui a été, dans ses déplacements au Parlement, de manière très, très explicite, favorable à l'Europe. Et en plus, par rapport à la Pologne, il s'est quand même très engagé, très personnellement, et c'est son autorité qui, d'une certaine manière, a fait basculer le vote vers un oui en Pologne, ce qui n'était pas évident. Donc ça, c'est quand même tout à fait capital de voir ce rôle de la papauté, de plus en plus explicite au fur et à mesure où les institutions devenaient claires et actives. Mais enfin, moi, je reviens de Pologne il y a quelques jours, je suis très frappé de l'intérêt pour l'Europe et reconnaissant que Jean-Paul II, effectivement, a joué un rôle de premier plan en Pologne et pour l'ensemble de l'Europe. Justement, on voit là tout de suite des images de Jean-Paul II, qui est le seul pape à s'être rendu au Parlement de Strasbourg. C'était en 1988, lors de son quatrième voyage en France. Dans son discours, il avait évoqué les racines chrétiennes de l'Europe. Alors, est-ce que vous avez en mémoire cette visite au Parlement en 88? J'ai fini mes études, non. Pernissime. Et moi, je n'étais pas encore vraiment dans la question européenne à ce moment-là. Aucun d'entre vous, alors ça a été une étape importante quand même. Ça fait 20 ans. Oui, je m'en souviens très bien. C'était une première absolue. Un discours qui tranchait un peu avec ce qu'on avait l'habitude d'entendre dans cet hémicycle, même si j'ai le plus grand respect pour les parlementaires. Et pour moi, un grand moment de joie, parce que je connais très bien les milieux politiques que je fréquente, dont je suis d'ailleurs issu, et je sais combien il est nécessaire pour eux de se ressourcer régulièrement. De quelle façon ? Justement, rien que le fait d'entendre un discours de cette hauteur de vue du pape, c'est un moment où les hommes les plus pressés sont obligés de s'asseoir, d'écouter une parole que personnellement j'ai reçue très positivement, et de réfléchir. Et les plus grands hommes politiques, les plus grands chefs d'État, les plus grands hommes au sein des institutions européennes vous disent tous qu'ils ont besoin de réfléchir. Et quand on veut réfléchir, il faut de temps en temps avoir des références. On n'est pas forcément d'accord sur tout. Il faut avoir de temps en temps un peu de nourriture spirituelle. Et c'est ce qui manque le plus à l'action publique, en réalité. À l'occasion des 50 ans du traité de Rome, Benoît XVI dénonçait l'apostasie de l'Europe. En niant les valeurs universelles, l'Europe se renie elle-même. Qu'est-ce qu'il voulait dire, Benoît XVI ? Je pense qu'il parlait de ce que d'ailleurs Mgr R2 avait commencé à dire tout à l'heure, c'est-à-dire le sécularisme dans l'Europe, la perte de la foi chez un certain nombre de chrétiens européens, et qu'il y a un véritable problème derrière cette espèce de ce qui semble être un abandon de la foi, ce qui n'est pas vrai dans sa réalité, parce qu'il y a beaucoup de groupes aussi qui sont très actifs, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de recul et de renoncement par rapport à ce qui était les fondements visibles de l'Europe d'hier. Benoît XVI a le même regard que Jean-Paul II sur l'Europe ?
Ben, il a dit des termes qui étaient relativement proches. Jean-Paul II n'a pas été aussi fort que cela. Mais ce qui était un petit peu ambigu dans ce moment-là, c'est qu'il parlait à la Comessée, il parlait à l'occasion du 50e anniversaire à des politiques, puisqu'il y avait même des commissaires qui étaient là. Et en même temps, il prenait un autre type de langage, davantage lié à la foi. Donc il y a eu un petit peu d'ambiguïté. Peut-être que... Ça n'a pas forcément été bien perçu, du coup. Ben, je pense que des hommes politiques se sont dit, mais c'est pas notre problème. Notre problème, c'est quand même la construction d'une instance d'union, de travailler pour le développement de l'ensemble de ces pays-là. Donc, ça a été reçu de manière un peu difficile. Stéphane Lund. Alors, le mot apostasie était d'abord à mettre dans le contexte, et c'était peut-être à lire dans ce sens, rester cohérent avec soi-même. Et on ne peut pas, d'un côté, afficher les valeurs de dignité humaine et de ne pas respecter, par exemple dans le domaine de la migration, mais aussi dans le domaine de la politique de la recherche, sur les recherches sur les embryons humains, les cellules souches issues du... nous avons, en tant que Comessée, exprimé à maintes reprises notre opposition à certains projets de l'Union européenne. Alors, on ne peut être en opposition, on peut être réservé par rapport à certaines politiques qui sont définis à Bruxelles, mais ça ne met pas en cause le principe lui-même de rapprochement des peuples et nations européens dans le cadre de l'Union européenne. Et je crois que Benoît XVI l'a exprimé aussi clairement dans plusieurs endroits de ses nombreux écrits. Il pose, et ça montre combien c'est un homme qui a réfléchi, il pose la question, mais est-ce que l'État-nation né des paix westphaliennes, est toujours capable de résoudre, répondre aux grands défis qui sont les défis de notre monde aujourd'hui. Et est-ce que cet État-nation a vraiment réussi à maintenir la paix en Europe? Et la réponse est négative. Elle est négative. Et donc, tous ceux qui aujourd'hui disent « ma foi catholique » m'amènent à dire non à la construction européenne, je les mets en face de ce constat-là, si ce n'est pas la construction européenne, alors quoi? Est-ce que ça sera toujours la nation, une seule nation, soi-même, pour gérer ces conflits? Comment articuler les relations entre les États en Europe? La réponse de l'histoire, c'est l'Union européenne. Et je me permettrai d'ajouter que, dans le contexte de la mondialisation à l'heure actuelle, ce qui me frappe, c'est la montée des égoïsmes nationaux et des égoïsmes catégoriels. Et par exemple, dans le domaine des droits de l'homme, j'entends de plus en plus les gens revendiquer mes droits, ma façon, individuellement ou en catégorie, mon groupe, et pas les droits des autres. Et je pense que ça, c'est vraiment le défi aujourd'hui que nous rencontrons dans la construction européenne. C'est vraiment là-dessus, me semble-t-il, qu'en tant qu'Église, nous devrions appuyer pour dire qu'il y a un enjeu fondamental pour l'avenir. L'enjeu, c'est cette fraternité entre les peuples. Et ben justement, j'ai une dernière citation. Dans les régions du continent européen où les blessures intercommunautaires ont encore besoin d'être guéries, notamment dans les Balkans, il est essentiel d'inclure les leaders spirituels des communautés concernées dans le processus. Ça, c'est ce qu'affirme le président du Parlement européen dont on parlait tout à l'heure, Hans-Gert Pöttering. Donc là, ça veut dire que même le message est passé même du côté des dirigeants. Oui, parce que vraiment, les dirigeants européens aujourd'hui comptent sur les religions pour être des facteurs de rencontre et pour qu'elles soient en quelque sorte, que le message de fraternité universelle dont elles sont porteuses, elles le fassent effectivement passer dans les faits. Jean-Dominique Dulany. Oui, à cet égard, il y a une nouveauté quand même. En France, vous avez un président qui dit exactement ce que vous venez de dire. Et ça marque quand même une évolution importante. Ne serait-ce que pour prendre en compte l'importance des religions. Jusqu'ici, dans le discours public français, on n'entendait pas cela. Ça a d'ailleurs été très critiqué. Ça a fait couler beaucoup d'encre, oui. Et puis, plus que cela, n'est-ce pas, lorsqu'il est allé au Vatican, voire y compris en Arabie Saoudite, revendiquer une place pour la religion, avec, je crois, je cite de mémoire encore, la phrase suivante, l'homme n'est pas l'homme s'il n'a pas la possibilité de pratiquer sa foi. Et donc, ça, c'est très nouveau, et ça correspond, comme le dit le Père Nissim, à cette espèce de malaise qu'a créé la mondialisation, où les gens ont perdu beaucoup de repères,
Et ça représente, à mon avis, pour l'Union européenne, un grand défi, parce que je sens qu'elle est un peu faible pour l'instant sur cette quête de sens, et qu'elle doit aussi se réinvestir de manière peut-être plus visible sur ces questions d'identité et de conviction. Stéphane Lund, vous vouliez réagir très rapidement, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Juste, on a cité Jean Monnet tout à l'heure, il disait « rien n'est possible sans les hommes, rien ne dure sans les institutions ». Aujourd'hui, nous avons des institutions qui durent, mais la première partie de l'équation est toujours valable. Rien n'est possible sans les hommes, sans les citoyens. Donc il faut effectivement, et on le voit à Bruxelles et à Strasbourg, cet effort des représentants au niveau européen à renouer des contacts aussi avec les religions, avec les églises, mais aussi avec d'autres instances et la société civile pour les convaincre, pour les amener, parce que rien n'est possible sans les hommes. Père de Charentenay, juste peut-être une petite conclusion. Je dirais qu'on est au cœur du principe de la démocratie, c'est-à-dire une démocratie, ce ne sont pas simplement des institutions qui fonctionnent pour laisser le vote à chacun, c'est un esprit démocratique qui doit venir de chaque citoyen. Et dans cet esprit démocratique, il y a la culture, il y a la religion, il y a le sens, il y a l'ensemble des valeurs qui sont là derrière chacun. Et ce que l'Union espère, c'est que ce sera un terreau pour chacun pour construire un bien commun européen en sortant de ces égoïsmes nationaux qui nous menacent pour construire quelque chose de commun. Merci à tous les quatre pour ces explications. Et puis avant de conclure, deux adresses internet. D'abord, le site de la Comessé, c'est le www.comessé.org. L'adresse s'affiche sur vos écrans. Et puis également un autre site, celui des Dominicains du Centre Espace, www.op.org. Enfin, deux livres également à signaler. Un européen très pressé de vous, Jean-Dominique Giuliani, qui vient de paraître aux éditions du Moment. Et enfin, un livre de Pierre de Charentenay, Regagner l'Europe, qui est sorti en 2007 aux éditions Salvator. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos réactions, vos commentaires sur cette émission à l'adresse qui figure sur vos écrans, reaction@kto.tv.com. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.